Sound activated. Merde, j'ai fait bugger le truc. Ça fait une troisième ou quatrième fois la blague, hein. Préparez-vous quand même. J'ai plus de micro. En attendant. J'ai fait le coup. Bon, sinon, est-ce que vous êtes allé voir la vidéo la point d'exclamation NV? Salut Sphinxer. Le micro. Il m'entend je pas. Là. J'espère que Mary va vous être tryhard comme hier. Oui. Salut Crypti. Error. J'ai fait le con. Oh merde, faut que je remette ThingSpeak. Je faisais le con, moi ça m'amusait de faire ça. Connexion, se connecter. Merde, j'ai pas le mot de passe. Error. Error. Cette action est actuellement disponible en raison de protection anti-spam. Patientez quelques secondes, puis réessayez. Error. Parce que je faisais des. Je me suis fait kick du test. Error. Ouais, bah, error, on a compris, error. Merde. Error. Oui, bah arrête avec Error. Regarde, je fais rien, tu vas me dire Error tout seul. Error. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in pro league. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Il arrive ou quoi, Jean-Maurice? Oh, Alibaba, là. C'est un peu long, j'arrive. Bah, je vois ça. C'est bon, Alibaba ou pas? C'est sur Discord que je te parle, ouais, là. Presque. Allez, let's go. Si tu pouvais m'ajouter, poulet, ce serait parfait. Voilà. Le proviseur avec le tiret du 6 à la fin. Attends, c'est juste... Faut que je fasse vérifier le mail et en fait, ça marche pas. Attends. Vérifier le mail de quoi? Bah, en fait, si tu veux, je crée un compte et il faut après que j'aille dans mes mails. Voilà. Mais créer un compte de quoi? Merci. ThingSpeak. Mais non, mais non, là on est sur Discord, on reste sur Discord pour le moment, t'inquiète. Et même t'as pas besoin de créer. Ah, sur le Discord, ok. Oui, et puis t'as pas besoin de créer de con, c'est un nouveau truc. Je sens qu'il est con celui que t'as ramené ce soir. Ouais. Mais non, mais. Ça a pas l'air d'être le plus smart. Je suis pas sur Ninja Strike, je suis sur mon compte. Le compte que j'ai fait toute cette saison avec 6-4, que j'ai juste renommé Long John Silver, hein, en référence aux pirates. Je ne sais pas si vous connaissez, car je suis très féru des pirates. Je me suis payé 3 bouquins, un qui s'appelle L'île au trésor, que vous devez tous connaître, l'autre qui s'appelle Long John Silver, justement, et l'autre qui s'appelle La dernière aventure de Long John Silver. Voilà, je suis fan de Long John Silver. Apprenez à le connaître, renseignez-vous. Un peu de culture ne fait pas de mal aussi. J'ai trouvé ça dans la bibliothèque de la Salty Academy, tout simplement. Regardez, là je vais dans la bibliothèque de la Salty Academy. Et c'était à cet étage-là. Vous voyez là, ici, dans le fond, là. Et bien là, il y avait tous les bouquins de pirates qui ont été mis. Et on a une belle bibliothèque, ouais, je sais. Et du coup, ouais, je me suis mis à lire un peu depuis que je suis à la bibliothèque. Donc j'ai décidé, pour en venir là, j'ai décidé de rebaptiser mon truc Long John Silver. Hein, qui s'appelait M3 avant, vous vous souvenez. Qui s'appelait encore autre chose avant. Et puis encore, on s'en bat les couilles en fait. Il vient, Salibaba ou quoi? Oh là là, j'ai complètement mal pré-shot. Vous avez localisé la bombe. Ok, tout va bien. Du coup, ça me permet... Moi, je vais essayer de mourir assez rapidement pour essayer d'aller sur ta vue de temps en temps. Donc, essaye de toi, en revanche, de pas mourir trop rapidement, mon petit. Est-ce que tu peux nous dire... donc, tu m'as dit, dans les Landes, 18 ans, tu fais quoi? T'es en école encore? Ouais, je vais aller dans une école d'info. Contact à droite, voilà. Contact. Ah merde, je le loupe comme une merde. Tu vas aller dans une école d'info, ok, d'accord. Donc t'as le bac? Non, pas tout à fait. Mais... Comment ça, pas tout à fait? Ouais, peut-être qu'il l'a pas fait. En fait, c'est un peu compliqué, mais en gros, j'ai pris une école, enfin une année sabbatique, tu vois. Et... Sympathique. C'est une école. Bon, parle-nous un peu de ce qui nous intéresse, à savoir les gonzesses. Non, je rigole, Rainbow Six. Ouais, t'as une sœur? Ouais. Bon, d'où sommes-nous, mec? On t'entend pas dans le jeu, mec. Vas-y, continue, Salibaba. Oui, on t'entend? Ouais, c'est bon, ça. Ouais, non, je compte clairement faire de la Pro League. Tu comptes faire de la Pro League? Ah ouais. Pro League, carrément. Pas l'e-sport avant? Non. Bah, non, mais si, non, le Pro League c'est e-sport, il a raison. Ah, c'était une vanne, oh là là, mais mec, team premier degré tous les deux. Ah ouais, non, mais j'avoue. Pro League, ok, donc toi, du coup, ok, d'accord, Pro League, ok, ça marche. Et ça fait combien de temps que t'es sur PC et que tu joues à Rainbow Six Siege? Un mois.
Ok, t'as envie de faire de l'e-sport, t'as envie de faire de la Pro League. Mais à long terme, c'est quoi? T'as envie de gagner une Pro League comme ça parce que t'as vu que c'était joli sur scène, ou t'as envie d'en faire un vrai projet professionnel? Non, en vrai, j'ai pas du tout envie de faire de la Pro League. Ok. Non, non, sérieusement, si tu regardes, clique sur mon pseudo. Ouais. Non, en vrai, ce que je veux, c'est juste plus être nul. Oh, c'est mignon. Ouais. Oh, franchement, là, je rajouterais une petite musique triste et tout. Ouais, grave. Franchement, tout ce que je veux, c'est plus être nul. Mais là, tout le monde me crache dessus. Ah, ben, ça va être compliqué, tu le sais, parce que là, il y a quand même un... Va peut-être falloir rajouter un bonus hein, sur le typing. Aidez-moi. Eh, on fait pas des miracles. Ok, ça marche, poulet. Tu vas devenir un monstre, grâce à nous. Bon, mon poulet. Qu'est-ce que t'as envie de devenir sur le jeu? Est-ce que t'as envie d'être meilleur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu silver ça tirait, gold ça tirait. Ouais, enfin silver quand même pas plus. Ouais, donc c'est genre... quoi c'est, est-ce que tu t'es fixé un objectif? Genre je sais pas moi, dans 3 mois que tu sois diamant. Quoi? Genre au moins gold quoi. Au moins gold, ok d'accord, ça marche. Ouais. Et combien de temps pour y arriver? Deux mois? Ouais, deux mois, ouais, c'est pas mal. Ok, c'est à planter à gauche, Attends, mais contact à gauche, derrière le mur. Contact à gauche, derrière le mur. Au niveau du sound, je te le dis. Là, il s'est barré, il est à droite. Et t'en as un autre derrière, non? T'en as un autre derrière toi, dans la cuisine. Et il y en a un autre qui revient derrière toi. Voilà. Allez, finis-le. Fais faire le kill dans la cuisine. Allez, vas-y, viens le chercher. Voilà. Allez, double kill. Allez, vite, va jouer le diffuse. Ah non, il y en a un autre. Dommage. Il y en a un qui reste un. Désolé. C'est pas grave, t'avais failli faire ton premier clutch. C'était pas mal. Ok, bon, déjà, première problématique, c'est quoi? C'est déjà, je veux savoir, si t'as envie de t'améliorer, il y a toujours le problématique de la technique, d'accord? Moi, j'aime bien mettre de côté la partie technique. Donc, qu'est-ce que t'as comme PC, connexion, temps de jeu? Qu'on ait un petit peu un panorama de tes capacités à devenir gold, ce qui en soi n'est pas vraiment dur. Voilà, et de par rapport à ce que je viens de voir déjà en 2 secondes, bon, ça devrait pas être dur, ok? T'es pas okay. Complètement retard, quoi. Il va falloir bosser ton aimant. Pas complètement. Non, mais je plaisante. Tu sais bien qu'on noircit toujours le trait, même si parfois c'est le même crayon. Oh, c'est beau ça aussi. Eh, mais ce soir vous avez des beaux. Ouais, mais tout à l'heure j'ai parlé de papillons et tout. Je suis assez poète ce soir, je sais pas pourquoi. Ouais, non, j'aime bien. Ouais, sinon tu voulais savoir mon PC. Ouais, c'est un PC portable 1050 Ti. Ah, t'es sur portable? Ouais. D'accord. T'as une 1050 Ti? Ouais. Ouais, ça va, c'est bon. Donc tu fais le jeu, tu le tournes bien, il tourne bien quoi. Ouais, ça. Ok. Non, dans le bar. Va dans le bar. De l'autre côté, à gauche. Fais gaffe, t'as un pulse. Là, contact. À droite. Et le pulse derrière toi, le pulse derrière toi. Qui vient par là où t'es arrivé. Un peu plus haut le viseur. Parfait. Et un contact à droite. Ça, tu vois, si t'as pas un bon son. Vas-y, balance un énorme travers à gauche là. Ah non, ils ont renforcé le top. Contact juste là, après les palettes à gauche. Ah, parfait. T'auras personne là, là où tu regardes. Nice. C'est bien. Grâce à Falco, je vais jouer le Lizen. Lizen. Parce que Falco, je tiens à le dire, voilà, je vais dire à Falco, m'a fait réaliser qu'il n'y avait pas autant de différence que ça entre Rook et Doc. Hein. Mais il n'y en a pas. Bah oui, mais toi, tu l'as dit, non? Bah si, je te l'ai dit, la plupart du temps, quand tu dois vous jouer, la différence, c'est quand tu vas. C'est Falco qui m'a fait comprendre ça. Ouais, d'accord, ok. Non, mais franchement, t'as un Toto, c'est la même chose. Et là, j'ai fait. Bon argument. C'est en train de se passer de l'autre côté, poulet. Hein. Push là, tout droit là. Regarde, je te les ping, je t'en ping un. Allez, je veux voir un beau crosshair placement. Regarde, ils sont tous là, poulet. À chaque fois que tu vas bouger, il faudrait. Vas-y, va décaler la porte du main. À droite, droite. Droite, la porte main, derrière toi, poulet. Si tu connais pas je les maps, c'est un. Là, première à gauche. Tout droit, celle-là, tu l'ouvres. Vite. Ils sont pingés en temps réel. Vas-y, tu sors, tu décales à gauche.
Ils sont à l'intérieur. Non, mais c'est un sort tranquille quoi. Non, bah là t'es mort, loulou. Ah, c'est un ok, très bien. T'as quoi comme souris? Parce qu'il y a un problème, je pense. Il est pas aux souris, il est avec le petit tactile, tu sais. Avec le clitoris. Avec le doigt là. Ah, je vais l'avoir. C'est une. Je saurais pas te dire le modèle, mais genre c'est. Je sais même pas la marque, tu vois. Avec la tête de mort Elite. Ah si, Elite M60. Elite M60. C'est la... Elite, c'est la marque. Mais tu l'as acheté à Lidl ? Non, non. Non, encore un mec. Ouais. Non, Tati. T'as combien de DPI ? 1000. Ouh, c'est beaucoup, ouais. 5000. Tu pourrais le baisser parce que le problème c'est que plus tu vas augmenter les DPI, surtout si vous avez une souris qui est pas terrible, donc dont le capteur est pas terrible, parce que c'est pas forcément le packaging sur lesquels vont les mecs vont rogner, hein, et qui fait que ça va pas être bon. C'est l'intérieur de la souris, c'est le capteur qui va être pourrave quand on achète une souris qui est de premier prix, d'accord? Le design en soi, il peut être joli. Ah, elle est super jolie. Bah, elle est super jolie, mais bon, si elle est naze, elle est naze. Ce serait bien si tu pouvais baisser un tout petit peu ta sensibilité, parce que sur les petits mouvements que je te demande de commence faire. Commence par 800. Tu vois, je te dirais, ouais, 800, à la limite, enfin, même si tu peux taper un 400, en fait, ce serait mieux, quitte à augmenter la sensibilité, ouais, in-game. Mais si, mec, s'il est habitué au. Oui, ouais, oui, mais quitte à augmenter la sensibilité, ouais, in-game, ouais. Parce qu'au moins, c'est plus, ouais, du coup, le problème. Le problème ne sera moins sur le hardware et plus sur le software. Ça, c'est pas très grave. En fait, c'est juste la par rapport à la sensibilité, attends, tu vois. Oui. Tu sais, par exemple, si tu les t'as 1000 DPI mais que tu les baisses dans le jeu, ça revient même. Non, pas du tout. Parce que en fait, effectivement, quand tu vas jouer sur les DPI, ça va jouer sur ta sensibilité. Mais il serait trop naze de croire que les DPI, c'est la sensibilité. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Les DPI, c'est les dots per inch. D'accord ? C'est les points par pouce, les PPP en français, d'accord? Donc en fait, c'est la précision de ton capteur. Je m'explique, si tu mets tes DPI à par exemple 10 000 avec une souris de mauvaise qualité, ce qui va se passer, c'est que eh bien, le capteur, sans bouger, va faire bouger la souris à l'écran parce qu'il va prendre les aspérités de ton tapis de souris. Ou alors, il va bouger un tout petit peu dès que le chat va péter au troisième étage. Ha ha.